Faites la différence. Ça, beaucoup de gens ne font pas la différence. Faites la différence entre la malchance et la mauvaise décision. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous dites malchance, vous abandonnez, c'est terminé. C'est terminé, j'abandonne. Voilà pourquoi vous parlez de malchance. Vous vous dites, bah, j'y peux rien, ou je n'y pouvais rien. Quand tu utilises le mot malchance, tu dois entendre, mon cerveau a besoin d'une excuse pour justifier mon résultat négatif ou douloureux. Et je ne sais pas comment sauver mon ego dans l'instant. Donc c'est plus simple de dire c'est la malchance. Entendez par là, c'est la faute de mon premier ministre, de mon président, du gouvernement, de mon pays, de ma ville, de mes voisins, de mes parents. Mais c'est pas de ma faute, c'est la malchance. Est-ce que la malchance existe? Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, mais c'est anecdotique. Parce que l'histoire, et j'imagine que vous lisez un livre par semaine, évidemment. Tous mes étudiants lisent au moins un livre par semaine. Mais en vous plongeant dans cette instruction quotidienne, vous avez quand même lu des biographies de gens qui n'avaient rien, qui ont eu les pires galères dans leur vie et qui ont su rebondir avec un passé terrible. Et vous avez des gosses de riches où tout va bien dans leur vie et qui dépriment. Vous avez des chanteurs qui avaient absolument tout, de l'audience, de l'argent, un public, tout ce qu'ils souhaitaient dans leur carrière, et qui ont mis fin à leur jour parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc c'est pas une question, mes amis, de chance ou de malchance. À aucun moment. En revanche, notez bien ce troisième conseil. Faites la différence entre la malchance et le fait d'avoir pris une mauvaise décision. Et ça, souvent, dans 99,9% des cas, c'est une mauvaise décision que vous avez prise à l'intuition, au pif. Je l'ai fait. Non, j'ai suivi ce qu'on m'a. Non, c'est pas moi, c'est mes. Apprenez à prendre des décisions, des bonnes décisions. 80% de votre réussite, c'est de la stratégie.